Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ses régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Depuis samedi, le 25 mai donc, et jusqu'au 2 juin prochain, se déroulent les Journées nationales de la Croix-Rouge. En Nouvelle-Calédonie, des commerces profitent de la crise pour faire flamber leurs prix. Pour indemniser les victimes du chlordécone en Martinique, le gouvernement a choisi de collaborer avec une association qui s'appelle Phytovictimes. Le procureur de la Cour pénale internationale vient de demander à la Cour d'émettre 5 mandats d'arrêt concernant la situation en Palestine. Dans votre rubrique « Votre avis compte », ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Vous sentez-vous concerné par les élections européennes? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Les pâtes ne font pas grossir et sont bonnes pour la santé, donc n'ayez pas de crainte pour votre régime et votre alimentation. Une portion de 200 g de pâtes ne représente que 230 calories. Tout comme pour le pain, le problème vient de l'accompagnement du plat. Il faut peut-être aussi éviter d'en manger le soir, comme tous les féculents. Aujourd'hui, l'air est de qualité moyenne. Air Antilles devrait reprendre ses vols dans les jours qui viennent. Elle ne desservira que la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Depuis samedi, le 25 mai donc, et jusqu'au 2 juin prochain, se déroulent les Journées nationales de la Croix-Rouge. Les bénévoles de la délégation territoriale de Martinique lancent donc un appel un peu partout à la générosité des Martiniquais. Rappelons que le siège de la Croix-Rouge chez nous se trouve à la cité d'Ilon et qu'il est ouvert de 9h à 13h du lundi au vendredi. Le Centre hospitalier universitaire de Martinique tient à remercier le Lions Club pour son soutien. En effet, ce lundi 27 mai à 11h, deux opérations ont eu lieu au CHUM. Il s'agissait de la remise d'un don d'une maquette d'IRM 3 Tesla d'un coût de 1865,38 € au service d'imagerie de la MFME. L'événement s'est déroulé au service de pédiatrie de la maison de la femme, de la mère et de l'enfant. L'association Lions Club Fort-de-France Côte Caraïbes contribue ainsi à améliorer l'accompagnement des enfants en radiologie pour la réalisation de leur IRM. Au même moment, le district 63 de l'Association internationale des Lions Club a fait don de 100 boîtes cash perfusion d'un coût de 2 000 € et de 200 bandes dessinées d'un coût de 2 400 € à la pédiatrie de la maison de la femme, de la mère et de l'enfant, MFME, et au service de pédiatrie de l'hôpital Louis Domergue de Trinité. Le CHU de Martinique tient, bien entendu, à remercier chaleureusement ces généreux donateurs pour ces gestes de solidarité qui permettront d'améliorer la prise en charge des enfants. Discutée à l'Assemblée nationale, la loi de programmation pluriannuelle énergie et climat. À cette occasion, le député Marcelin Nadeau va tenter de faire en sorte que soit prise en compte la problématique de l'érosion des côtes, et notamment des côtes de la Martinique. Il faut, a-t-il dit, que l'État y mette des moyens financiers importants. Depuis mardi 28 mai, le parc naturel régional de la Martinique accompagne la Chambre de Martinique de l'Union des géomètres experts dans son ascension de la montagne Pelée. Il s'agit d'en mesurer le sommet et d'asseoir ainsi avec précision son altitude. Le sommet de la montagne Pelée est tantôt annoncé et culminé à une hauteur de 1397 mètres, tantôt à 1395 mètres. À l'aube de l'inscription des volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO, il apparaît indispensable de mesurer avec précision l'altitude du point culminant de notre territoire. La mesure ainsi prise
deviendra l'altitude officielle du chinois, le sommet de la montagne Pelée, auprès de l'IGN, l'Institut géographique national. L'Union des géomètres experts envisage également des mesures annuelles ou biannuelles pour évaluer la stabilité de la montagne. Il a beaucoup plu au cours des derniers jours de la semaine dernière, 86 mm d'eau au Diamant, 75 mm à Fort-de-France. Tout le territoire devrait être désormais alimenté normalement, même si les responsables du secteur affichent encore une certaine prudence. En football féminin, la Coupe de Martinique, jouée samedi dernier dans l'après-midi au stade Louis-Achille, a été remportée par le Racing Club de Rivière-Pilote. Il a battu l'Avenir FC du Saint-Esprit au tir au but. À la fin du temps réglementaire, le score était de 0-0. En l'emportant 2-1 sur le Golden Lion de Saint-Joseph, le club franciscain, pour la 20e fois de son histoire, a remporté la Coupe de Martinique. À la mi-temps, le score était de 1 partout. Le club franciscain, qui avait dominé la partie pendant les 45 premières minutes, a été moins impérial en deuxième mi-temps, au moment où il a marqué le deuxième but, le but de la victoire. L'Assise, tout au long de l'année, reçoit des dons de toutes sortes, sans parfois savoir ce qu'en faire. C'est pour cela qu'elle a organisé un marché du jouet à la ressourcerie Le Pré, située au centre-ville de Fort-de-France, samedi dernier, le 25 mai. Plus d'une tonne de jouets ont été proposés à des prix allant de 1 à 3 euros. Il y avait des trottinettes, des livres, des bandes dessinées, etc. Il est toujours possible de faire l'acquisition de ces jouets à la ressourcerie, à Fort-de-France ou à Casse-Pilote. Les personnes qui ont rendu visite à ce marché ont pu également découvrir ce que propose la ressourcerie, vaisselle, meubles, literie, etc. En Nouvelle-Calédonie, des commerces profitent de la crise pour faire flamber leurs prix. En réponse à la crise qui agite la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement local a fermement condamné les commerces qui ont profité de la situation pour augmenter de manière excessive les prix, y compris ceux des produits réglementés. Dans un communiqué, il a qualifié cette pratique d'inacceptable et intolérable, soulignant que la solidarité et la responsabilité collective doivent être prioritaires. Cette déclaration intervient alors que l'archipel fait face à des violences depuis plus d'une semaine, exacerbant les inquiétudes concernant des pénuries potentielles de nourriture et de médicaments. Le président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa récente visite en Nouvelle-Calédonie, a mis l'accent sur la nécessité de restaurer l'accès normal aux soins, à l'approvisionnement et à l'alimentation, reconnaissant les difficultés rencontrées par les populations locales en raison de la crise. Le gouvernement calédonien a annoncé son intention d'instaurer des mesures strictes pour contrôler les prix afin de protéger les consommateurs et de préserver le pouvoir d'achat des Calédoniens, rappelant aux commerçants l'importance de maintenir des prix justes et raisonnables. Cette initiative est prise dans un contexte où les tensions liées à une contestation indépendantiste contre une réforme électorale ont déjà causé plusieurs décès, y compris ceux de deux gendarmes. Les sargasses ont malheureusement refait leur apparition à Cap Chevalier, à Sainte-Anne, un véritable drame pour les marins-pêcheurs qui ne peuvent pratiquement plus exercer leur métier. Serge Letchimy dénonce les actions de blocage du lobby de l'agrobusiness sur Odom, qui s'oppose à tout changement malgré les faits et le déclin de notre production agricole. Dans ce contexte, il appelle tous les acteurs agricoles à se mobiliser aux côtés de la CTM pour obtenir enfin de l'État et de Bruxelles une réforme ambitieuse du Poséidum. Le Poséidum est le programme européen de soutien aux agricultures des régions ultra-périphériques dont nous faisons partie. Pour indemniser les victimes du chlordécone en Martinique, le gouvernement a choisi de collaborer avec une association qui s'appelle Phytovictimes. Selon les avocats choisis par les victimes elles-mêmes, cette association aurait en réalité pour fonction de faire en sorte que les victimes soient indemnisées au taux le plus bas possible. Ils ont fait une conférence de presse pour le signaler au grand public. Phytovictimes n'a pas communiqué sur ce sujet.
Le procureur de la Cour pénale internationale vient de demander à la Cour d'émettre 5 mandats d'arrêt concernant la situation en Palestine. 124 États sont parties prenantes de la Cour pénale internationale, dont la Palestine depuis 2015, après avoir obtenu le statut d'État non membre à l'ONU. Notons que la Turquie, l'Iran, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, l'Indonésie ou encore les États-Unis n'ont, eux, pas ratifié la CPI. Basée à La Haye, aux Pays-Bas, la CPI a été créée par le statut de Rome de 1998. Son rôle est d'enquêter sur des individus soupçonnés d'avoir commis des crimes internationaux, crimes de guerre contre l'humanité, agressions et génocides. Depuis 2021, la Cour a ouvert une enquête sur des crimes de guerre qu'Israël est accusé de commettre en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza, mais le dossier n'a guère avancé. Cependant, l'évolution récente de la situation a poussé le procureur de la Cour, Karim Khan, à demander l'émission de mandat d'arrêt, sa requête ne portant que sur les faits qui se sont déroulés depuis le 7 octobre 2023. Sont visés le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant. Ils sont accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour avoir imposé à Gaza un siège complet, entravé l'accès à l'eau, à la nourriture, aux médicaments et à l'aide humanitaire en général, accusé également de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, causant de grandes souffrances et portant gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé. Les deux dirigeants sont aussi sous le coup d'accusations d'homicide, de meurtre, de persécution et de commission d'actes inhumains. Selon le procureur, tous ces crimes s'inscrivent dans un plan qui prévoit comme méthode de guerre d'affamer délibérément des civils et de leur infliger une punition collective. Notons que l'ONU reconnaît les chiffres donnés par le ministère de la Santé du Hamas, à savoir que depuis le 8 octobre, plus de 35 000 Palestiniens ont été tués à Gaza, 79 000 blessés et près de 2 millions de personnes déplacées sur les 2 300 000 habitants que compte le territoire. Le procureur de la Cour pénale internationale accuse également 3 dirigeants du Hamas. Yahya Sinwar, Mohamed Deif et Ismaël Il Haniyeh sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Meurtre et prise d'otages, viols et autres formes de violences sexuelles, tortures, autres actes inhumains, traitements cruels et atteintes à la dignité de personnes en captivité. Les attaques du Hamas en Israël ont coûté la vie à près de 1200 personnes et sur les 252 qui ont été prises en otage le 7 octobre par le Hamas, 121 n'ont pas été relâchées et beaucoup sont mortes. Cela étant dit, il faut savoir que les mandats d'arrêt requis par le procureur ne seront pas forcément émis. Les 3 juges de la Cour suprême qui ont été désignés peuvent décider ou non de donner suite. S'ils donnent suite, les plus hauts responsables d'Israël, État revendiquant son caractère démocratique, rejoindraient donc des personnalités comme Muammar Kadhafi, Omar el-Béchir et Vladimir Poutine sur la liste des chefs d'État dont la CPI a demandé l'arrestation. Si les juges actent l'émission de mandat d'arrêt, l'ensemble des États partis seraient en théorie obligés de procéder à l'interpellation et au transfert à La Haye de Netanyahou si celui-ci venait à poser le pied sur leur sol. C'est cependant peu probable qu'ils le fassent, même si le chef du gouvernement israélien prenait un tel risque. Quant aux leaders du Hamas, ils ne se déplacent guère dans des États partis au statut de Rome. Ajoutons qu'il existe également une Cour internationale de justice qui est la plus haute juridiction des Nations unies. Ces décisions ne concernent pas les individus, mais les États. Elle a d'ailleurs ordonné ce vendredi 24 mai à l'État hébreu de stopper immédiatement son offensive à Rafah. Metzahal poursuit ses opérations militaires dans cette ville du sud de la bande de Gaza. C'est demain, mardi 28 mai, que débute la 7e édition du Festival international de la randonnée de la Martinique. Ce festival proposera au total 12 rendez-vous. Chaque année, il se termine avec le dimanche de la Grande Convergence. Le principe, les randonneurs prennent des chemins différents
pour arriver dans une même commune. Pour cette 7e édition, la commune choisie est le Diamant. Les états généraux, dont l'objectif était d'améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, ont rendu leurs conclusions. Pour la Confédération générale des travailleurs martiniquais, la CGTM, l'essentiel est d'améliorer les conditions de travail du personnel. Vu de l'extérieur, ces conditions ne semblent pourtant pas très éprouvantes. La CGTM met en cause également un management qui, selon elle, est défaillant. Pour pulvériser les produits qui vont détruire la cercosporiose noire qui détruit nos cultures, les professionnels vont à l'avenir utiliser essentiellement des drones. Des agriculteurs sont venus de Sainte-Lucie pour se familiariser avec cette méthode. C'est mercredi le 29 mai à 20h que Tania Saint-Val va donner un concert au Grand Carbet du parc culturel Aimé Césaire à Fort-de-France. Elle a, dit-elle, revisité des chansons interprétées pendant 30 ans de carrière. La conception de ce concert est originale, puisqu'à la musique devraient s'ajouter des images. Rappelons que c'est dans une salle comble que le nouveau Cassa va donner un concert à l'Accor Arena de Bercy le 18 mai dernier. Décidément, il souffle comme une brise de nostalgie. La Martiniquaise Jocelyne Béouard d'un côté, Tania Saint-Val de l'autre. La généalogie vous passionne? Si la réponse est oui, sachez que la ville du François propose de découvrir les origines de son nom de famille en consultant les listes d'actes d'individualité des citoyens du François affranchis en 1848. Ces dernières sont visibles aux archives municipales de la commune jusqu'au 1er juin prochain. Retrouvez maintenant votre rubrique « Votre avis compte ». Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Vous sentez-vous concerné par les élections européennes? Vous sentez-vous concerné par les élections européennes? Oui, puisque nous sommes quand même, nous faisons partie, nous sommes département français. Donc il me semble que c'est la moindre des choses de pouvoir, pour au moins que nos députés et autres puissent faire le nécessaire pour nous. Mais c'est quand même important, il me semble. C'est normal. Parce qu'au moins à ce moment-là, la Martinique est représentée. Pas du tout. Parce qu'ils sont pas, on ne peut pas les faire confiance encore. Il y a trop de magouilles, trop de... C'est pas bon, ça ne vaut pas le coup. Oui, monsieur. Alors, parce qu'il faut compter à peu près de 60% de nos besoins viennent d'Europe. Et on a à peu près 20 à 25% de la France. Et le reste, c'est la région. Je ne vous dirai pas plus. Non, pas vraiment. Ah, je ne m'intéresse pas trop à la politique, honnêtement. Et je considère qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de malversations, enfin, pas mal de choses qui font qu'on n'est pas, on se sent pas assez soutenu et concerné, je pense, pour nous, la jeunesse. Vous sentez-vous concerné par les élections européennes? Pas directement, mais je sais que, qu'on le veuille ou non, nous sommes quand même concernés par les élections européennes. On devrait tous se sentir concernés, oui, puisque l'Europe participe à beaucoup de choses dans le développement de la Martinique. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas concerné, qu'on est à côté. Okay. Pas du tout, parce qu'on ne prend pas en considération l'Europe. Et même nos élus ne sont pas à la hauteur de la tâche pour nous défendre en Europe. C'est pour cette raison. Ben, moyennement, puisque effectivement, on a. Enfin, c'est pas suffisamment expliqué, c'est pas suffisamment connu, enfin, de mon point de vue, pour qu'effectivement, ça ait une répercussion sur mon quotidien, quoi. Non, si c'était jeune, oui. Mais à mon âge, à la retraite, ils font rien pour les retraités. Non.
Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Louis Furier est un écrivain en même temps qu'un professeur de philosophie. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Pour une révolution aristocratique ». Ce titre interpelle forcément ceux qui, culturellement français, se demandent comment on peut associer le mot « révolution » au mot « aristocratique » alors que toutes les révolutions que l'on rencontre en apprenant l'histoire de France sont justement des révolutions qui s'opposaient à l'aristocratie, qui s'opposaient à la noblesse. Comment donc une révolution peut-elle être aristocratique? On penche à croire que c'est impossible. C'est même forcément le contraire. Une révolution est forcément populaire, comme celle des sans-culottes en 1789 ou celle des communards en 1870, tout comme à l'étranger celle de la Russie en 1917. Mais Louis Furier a trouvé la parade. Il a tout simplement donné une autre définition de l'aristocratie. Une définition qui, en réalité, n'a rien à voir avec la classe sociale. Pour lui, l'aristocratie n'est ni une classe sociale, ni un régime politique. C'est un idéal moral et il propose de remplacer le mot « aristocratie », si on le trouve gênant, par le mot « magnanime ». Et il donne de ce mot la définition qu'en donnait le philosophe grec Aristote. « Et magnanime, l'homme qui n'épouse que de grandes causes » et se donne tout entier à elle. Loin d'être un orgueilleux, il est celui qui se sacrifie pour les biens qu'il estime plus grands que sa personne. Il met l'honneur au-dessus de sa vie. Il est le contraire du marchand. Alors que ce dernier entre dans la vie en lui demandant « Que peux-tu me donner ?» L'aristocrate y entre en lui demandant « Que puis-je te donner ?» Alors que le marchand calcule tout, négocie tout, marchande tout, l'aristocrate méprise la mesquinerie et se donne sans compter. Dès lors, dans son livre, Louis Furier affirme que l'aristocratie telle qu'il l'entend n'est pas d'un autre temps. Est un ou une aristocrate toute personne capable de se sacrifier pour sa cité, à tel point que la magnanimité, vertu aristocratique, est la vertu par excellence en régime républicain ou démocratique. Mais dans ce livre, il oppose avec détermination la démocratie telle qu'elle prit naissance en Grèce à celle que l'on connaît aujourd'hui. Chez les Grecs, dit-il, c'était une démocratie directe, organique, exigeante, martiale, le contraire de la démocratie moderne, représentative, individualiste et libérale. Dès lors, on comprend que la révolution aristocratique, c'est d'abord pour cet auteur une remise en question de la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et précisément, si nous vous avons parlé de ce livre, c'est parce qu'il participe de mouvements de fond que l'on observe aujourd'hui en France et même un peu partout en Europe. Un mouvement d'extrême droite qui pense qu'il ne peut pas dire son nom, le fascisme, invente de nouveaux concepts. La révolution aristocratique en est un. Tant il est vrai qu'il n'est pas besoin de révolution aristocratique pour rencontrer les hommes les plus magnanimes qui soient, c'est-à-dire capable de passer l'intérêt général au-dessus du leur. Sans compter, bien entendu, que pour Louis Furier, les Noirs, les Arabes, les non-Européens sont exclus du concept même de l'aristocratie. En effet, il n'hésite pas à affirmer que l'idéal moral qu'est pour lui l'aristocratie est essentiellement, essentiellement européen. Dans votre sujet santé ce soir, il est question de médicaments à l'unité. Expérimenter la vente de médicaments à l'unité permet de faire des économies car un médicament sur deux n'est pas consommé. Cela permet également de limiter la pollution car en effet les médicaments contribuent à polluer notre environnement. Et troisièmement, pour plus de sécurité car les patients qui stockent leurs médicaments non consommés dans leur armoire à pharmacie sont tentés un jour ou l'autre de les réutiliser et de pratiquer une dangereuse automédication. En pratique, l'expérimentation portera sur les antibiotiques choisis en raison du préoccupant phénomène de résistance à ces précieux médicaments. Afin de pallier à l'absence du conditionnement traditionnel des médicaments, des notices et de préserver le niveau d'observance du patient à son traitement, cette expérimentation se déroulera sur 3 ans
avant de décider de son éventuelle extension à l'ensemble du territoire et à d'autres familles de médicaments. Du côté des détracteurs de ce projet, la vente à l'unité diminue la traçabilité, augmente les risques de confusion entre médicaments par les patients et engage davantage les laboratoires face aux risques judiciaires en cas d'accident. Rappelons que la distribution des médicaments à l'unité est déjà pratiquée en France dans des établissements médico-sociaux et dans certains pays européens, notamment en Allemagne, et l'a toujours été aux États-Unis. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui ont participé à sa conception. Jordan, Adélaïde, Jean-Michel Thézère, Jeannie Georges, Marie-Fleur Rosa, François-Augustin, Pierre Laouchévitz, Getty Galva, Sarah Verne, Marlène Édouard, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Cette édition est diffusée à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Elle est également disponible en multidiffusion sur Canal Anti, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée en notre compagnie et que Dieu garde la Martinique.